Saluer tout le monde de la presse qui l'a. La presse dans différentes sphères, parler, écrit, télévisé, en ligne. Et nous représenter le réseau haïtien d'éducation et de promotion de la santé, le RHEPS. C'est une nouvelle structure, organisation qui établit dans le pays et réseau haïtien d'éducation et de promotion de la santé, les doté tête li comme mission pour le travail dans le domaine éducation et promotion santé dans le pays. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous avons voulu profiter de cette journée à la fois pour continuer à sensibiliser la population sur la problématique du sida, la problématique de ça nous relève généralement en Haïti, stigmatisation autour de monde qui PVVIHO. Mais tout c'est occasion pour nous lancer tête nous, cette nouvelle organisation qui va militer aux côtés des autres organisations déjà qui travaillent dans le pays à faire l'éducation de la population. Et jusqu'à présent, comment nous constatons par rapport à la stigmatisation, la progression bien en Belgique? Alors, Commission nationale qui travaille sous phénomène, alors sous maladie sida en Haïti, il reconnaît bien des avancées qui faites, mais malgré avancées ça, il y a toujours un phénomène de stigmatisation par rapport à monde qui a sida dans le pays. Donc, nous-mêmes, pendant thème année, ça, c'est ensemble. Pour nous être responsables par rapport à la lutte contre le sida, nous croyons qu'il faut nous faire une emphase tout sous phénomène de stigmatisation qui touche les gens qui, particulièrement, vivent avec maladie sida. Donc, pour nous-mêmes, malgré le recul qui fait, parce que je dis là, depuis quelques années déjà, nous avons une prévalence de 2% de monde en Haïti, de manière générale, la population qui souffre de maladie sida, mais ça n'a pas empêché que phénomène de stigmatisation n'a pas fait recul. Par rapport à façon l'autre monde ouais monde qui a vécu avec sida et même monde qui a vécu avec sida ouais tête. Quelle activité que prévoit aujourd'hui? Donc pour des détails sur l'activité d'aujourd'hui, je passe la parole à mon confrère docteur Ricardo Bossico pour les réponses. J'ai place avec. Dans le cadre d'activité aujourd'hui, qui a fait sur le thème stigmatisation et droit à la santé pour tout le monde qui a sida en Haïti, l'activité a été lancée à partir d'une projection film. Nous avons fait une projection film côté que, qui va toucher tout aspect social qui a en tant que cause sida. Après ça, nous avons eu une partie conférence débat, nous avons eu différents intervenants. Nous avons eu pour toucher l'aspect clinique, la question sida. Et même toucher en partie aspect social là tout et effet épidémiologie sida. Après n'a clôturé événement ensemble avec une partie culturelle côté n'a bien les ateliers en écriture ensemble avec un bon autre artiste qui a performé ensemble avec nous. N'a bien des distributions que n'a fait distribution de préservatifs et autres pendant activité ça. Après je dis à quand je dis à ce 1er décembre généralement c'est date ça fait activité c'est nous une autre activité perspective. Oui, nous avons notre activité en perspective à 1er décembre. Mais nous profitons du 1er décembre pour nous lancer. Notre activité, ça, il est venu par la suite. Oui, moi, je surtout besoin remercier chaque grand monde qui fait déplacement qui vient là. D'ailleurs, c'est un bagage qui a, c'est une conférence qui est très instructive, l'avait de nous. Et je me profite tout saluer le centre culturel Cinémathèque. Sans collaboration, belle activité, ça n'était pas possible. Je profite pendant que je suis devant la presse pour me dire merci Madame Lafleur, merci CCC et merci à nous-mêmes la presse qui vient. Et déjà c'est une belle activité, moi déjà souhaite tout le monde bienvenue et m'espérer que nous avons édifié, m'espérer que nous avons appris en pile et surtout nous content les jeunes là. Nous allons apprendre en pile bagaille et nous allons mettre surtout en application. D'accord. Non, c'est Jules Katiana, administrateur. Tout à l'heure? Oui, ça que ça la même guerre? Dis aux fontifiants, mes potes là, pour briller pas entrer là. Non, non, pas de sainte là même, c'est pas pour l'autre pote, pas de sainte là. Ok, on va commencer. Ok.
Moi, c'est Caroline Lafleur. Moi, c'est responsable Centre culturel Cinémathèque et puis responsable événement dans Piment Rouge. Alors, Centre culturel Cinémathèque, en collaboration avec Piment Rouge, a organisé deux journées de foire gastro-artisanale, le 12 et le 19, dans le local Piment Rouge. On a invité la presse, on a invité tout le monde dans la population, vient acheter, vient amuser nous, et puis vient manger avec nous pendant deux journées foire. Il a commencé à 11h du matin, il a fini à 5h de l'après-midi. Si vous avez besoin d'une exposer produit autour, ou capable de passer, venir faire réservation pour capable exposer produit dans la journée foire. Cette culture cinémathèque fait ouvert, mais nous ouvert nous c'est d'abord une salle cinéma, mais nous ouvert porte nous tout, nous offrir jeunes espace pour capable venir performer, nous offrir espace l'entour. De façon lorsque jeunes n'ali même n'est pas gain l'autre côté pour l'aller parce que en Haïti nous n'est pas vraiment gain travail. Je n'ai pas vraiment gagné un espace pour y aller. Nous offrons, nous ouvrons l'espace dans tout à jeunes pour être capable de venir, venir montrer ça, ou capable de faire dans cette culture cinémathèque. Ma première, merci à tous les médias qui ont fait déplacement pour te faire une petite interview. Ça. Merci. Deux jours, à quelle heure? 12-19. Numéro de contact si vous avez un. Oh non, numéro de contact là, pas. Non, je suis supposé avoir l'adresse là, tout va faire. On va continuer, on va mettre un gars là. Ok. Non, numéro de contact là, pas trop. Ok. Centre culturel Cinémathèque, trouvez-le dans 97 avenue Jean-Paul de Turgeau. C'est à côté du restaurant Piment Rouge. Et puis, si vous avez plus d'informations, il est dans 2816-0125. 2816-0125. Merci. Ok. Bon.